This is my poison. Salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler de mes enceintes, c'est-à-dire que je vais vous faire la présentation de mon système son, donc c'est-à-dire de la table de mixage jusqu'aux enceintes et le micro. Donc, et je vous ferai aussi une petite vidéo présentation de Sono. Voilà. Donc là, j'ai vraiment installé tout ce que j'avais. Donc on va pouvoir commencer déjà par l'ordinateur. Donc j'ai l'application sur l'ordinateur. Je vais pouvoir allumer mon ordinateur. J'ai l'application Virtual DJ sur l'ordinateur. Après, c'est relié à ma platine Numark Party Mix. En sortie, je suis en RCA, comme ça. Je vais vous montrer ce que j'utilise après comme sortie. Parce que, voilà. Donc après, pour mon système son, je suis comme ça. Donc là, c'est l'autre bout des RCA. Donc j'ai un petit adaptateur comme ceci. Et ici, attendez, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Voilà, ici je suis en XLR mâle et XLR femelle. Voilà, donc je vais les remettre. Voilà, donc là je les ai remis. Donc si je suis mon câble, après j'arrive ici, donc sur un adaptateur XLR où j'ai deux femelles pour un mâle. Donc là c'est pour le micro, celui-là, et pour la table de mixage, celui-là. Donc c'est relié comme ça sur l'enceinte en in. Et comme j'ai deux enceintes maintenant, pour ça que j'ai un out juste en dessous. Voilà, donc je mets mon XLR mâle dans mon enceinte. Donc maintenant, on va pouvoir passer au micro. Donc pour le micro, je suis en jack 6-5. À la sortie ici sur ma sortie ici XLR, et après je reviens ici avec un câble XLR mâle dans la femelle et voilà. Donc après j'ai un out parce que j'ai deux enceintes, donc ça veut dire que in le son entre dans l'enceinte et out le son ressort de l'enceinte et passe dans le câble et arrive sur mon autre enceinte en in, en mal. Voilà. Donc c'est un système de in-out. C'est comme du DMX. Donc là par exemple j'ai une lampe. C'est DMX, donc c'est du XLR, ça marche pareil. Et là si je voulais mettre une troisième enceinte, je mettrais un câble en out que je redirigerais vers une enceinte en in. Voilà, donc le XLR, je trouve que c'est quand même un langage pour les enceintes qui est plutôt bien. Parce qu'on peut en mettre à la suite à l'infini des enceintes, et puis ça tient bien le XLR. Voilà. Sinon, je vais vous parler de mes enceintes. Donc, pour l'alimentation, je suis avec un câble 3 broches comme ça. J'ai même pas dit la référence de mes enceintes. Donc, mes enceintes, elles sont comme ça. Donc, c'est des Nomad 300 watts chacune. Donc, c'est deux fois les mêmes. Voilà. Sinon, j'ai deux petits trépieds comme ça pour pouvoir supporter le poids de mes enceintes. Donc, elles sont quand même assez lourdes. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Oui, j'ai un antiparasite. Je vais vous le sortir et vous le montrer. Voilà, donc ça, c'est mon antiparasite. Donc là, je l'ai pas mis parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas beaucoup de parasites en transit. Donc, comment ça marche? Les câbles qui sortent de la table de mixage, qui reviennent jusqu'à là, sur l'embout, je les mets pas là. Je les mets dans les deux petits trucs. Donc il y a les couleurs, là c'est noir, ça correspond à blanc. Et là, rouge, ça correspond à rouge. Et du coup, de l'autre côté, j'ai pareil. Sauf que là, ceux de l'antiparasite, je vais les relier là-dedans, à la place de ceux-là. Donc ça va faire une petite boucle en plus. Sinon, qu'est-ce que je pourrais parler? Mon système micro, je vous ai déjà fait une vidéo. Donc, c'est un système Sennheiser. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de mon système sonore. Donc, c'est plutôt un bon système sonore avec une bonne puissance.
Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.